Bon Jean-Christophe, félicitations, vous tenez enfin cette première victoire en Coupe de France, satisfait? Oui, très satisfait. On a tourné un petit peu autour l'année dernière hein, parce qu'on a échoué sur le fil. Donc l'objectif hivernal, c'était vraiment on se prépare en stage, on se prépare à l'objectif de gagner la Coupe de France par équipe en individuel. Donc c'était notre fil rouge. La conclusion, elle est bonne, hein, on l'a gagnée, mais on a fait grâce à un très bon début de saison avec trois victoires d'affilée qui ont permis après de pouvoir se positionner en leader sur cette coupe. Voilà, un petit coup de mou dans l'été, hein, comme on a pu l'avoir aussi l'année dernière. Hein. Pour nous, l'été est un peu plus compliqué. Mais voilà, le bilan est bon, les filles sont contentes, le contrat est rempli. Et aujourd'hui, la course s'est passée pas trop mal pour vous. Daniela était dans la première échappée, repris après par le peloton, mais qui termine quand même, qui fait un top 20. Qui marque quand même des points pour le classement général. Oui, même si là, on ne cherchait pas les points en fait. Hein. On cherchait à faire la course hein, tout simplement, sauf que quand ça part, il y a une chute dans le peloton, donc j'ai Marjolaine, Mélodie derrière, la petite Le Borgne et Iris, donc le coup part, Dani est dedans, elles sont une poignée, Futuroscope revient avec 4 filles ou 5 filles, je ne sais plus, et puis voilà, se retrouve à 20 devant, il y a Daniela, bon ben on en a au moins une, c'était prévu qu'on essaye d'en mettre plus, hein, mais... Voilà, un début de course un peu compliqué pour nous avec la chute au début. Et par la suite, je sais que l'échappée s'est disloquée. Hein. Il y a cette fille qui arrive devant. Et le contre conserve quand même sur le peloton. Hein. Le contre conserve sur le peloton, de peu. Hein. Oui. Voilà, donc le contre, il y a Daniela. Et voilà, donc bon, c'est demi-rempli pour aujourd'hui parce qu'on voulait faire mieux, évidemment. Hein. Mais bon, pour nous, c'est compliqué. Hein. On a 4 filles qui ont moins de 18 ans. On a des filles qui sont émoussées, hein, qui ont fait une saison, qui travaillent. Voilà, je ne peux pas leur demander des étés aussi musclés que des débuts de saison. Et après, dans les années à venir, quels vont être les prochains objectifs de l'ADN? Passer dans le Women World Tour ou continuer en DN? Oh non, nous, on a vraiment une ambition, c'est de pouvoir avoir notre pyramide de formation, c'est-à-dire avoir une équipe, oui, pourquoi pas une équipe, mais une petite équipe ici. C'est juste pour s'ouvrir des courses en France. Hein. Et pouvoir faire monter leur niveau quand ils passeront l'échelon au-dessus, parce que faut pas se voiler, mais maintenant à l'UCI il y a quasiment deux catégories, hein. Il y a le World Tour, hein, on va dire les 15-20 meilleures équipes mondiales, et après des équipes qui ont vraiment des tout petits budgets, qui sont 40e et qu'on voit qu'on les a sur nous, sur des équipes UCI, on est devant elles même en tant que DN. Donc voilà, nous on a peut-être notre place pour une petite poignée de filles de 6 ou 7, hein, ou 8, je crois que l'effectif minimum c'est 8. Pour pouvoir leur ouvrir des belles courses, avoir une DN de formation avec des juniors derrière. Ça, c'est très important. Mais est-ce que ça sera pour l'année prochaine, dans 2 ans, c'est l'avenir qui nous le dira. Merci Jean-Christophe et fêtez ça bien avec toute l'équipe. Bonne journée. Merci.